Valjean Z de Saint-Laurent-Mangie. J'accueille sur ce plateau Philippe Mercier qui représente l'association des jouteurs, les jouteurs d'Arras. Alors, les jouteurs, mais c'est quoi le but de cette association ? Eh bien, les jouteurs d'Arras, c'est une association qui date de 1812. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un affrontement, c'est deux bateaux et qui se croisent sur l'eau. Et le but, c'est de mettre son adversaire à l'eau, tout simplement. Combien de pratiquants ou de non-pratiquants, peut-être, il y en a qui pratiquent ou non ? Dites-nous un peu que... En France, ça se limite à 4600 licenciés. Donc nous, dans notre club d'Arras, on est 60 licenciés environ. Il y a des jouteurs, il y a des non-jouteurs, on a environ 35 licences fédérales. Donc on participe, on fait partie de la Ligue Nord de Loire Picardie, qui regroupe une quinzaine de clubs qui va du nord de France, Merville, dans le 59, à Chasse-sur-Rhône, dans le 69, la vallée du Rhône. Je me souviens, en 2006, les jouteurs d'Arras, il y avait une Coupe de France. Et de surcroît, les jouteurs tiennent la dragée haute aux autres jouteurs de l'Hexagone. En effet, le 18 juin 2006, nous avons remporté la Coupe de France masculine et la Coupe de France féminine. Et nous avons aussi remporté le critérium des minimes. Donc tout ça en méthode dite joute parisienne. Et d'ailleurs en 2007 à Arras, donc le 24 juin, nous organisons à Arras sur le bassin une double Coupe de France, c'est-à-dire qu'il y aura deux méthodes de joute différentes, méthode parisienne et alsacienne. Quelles sont les qualités requises pour faire de la joute ? La qualité, c'est d'oser de monter sur le bateau et de... C'est un sport, mais aussi c'est la fête. C'est la fête, donc les gens qui veulent s'amuser peuvent venir, il n'y a pas de souci. À côté du 24 juin à Arras, nous allons organiser à Saint-Laurent-Blangy un week-end de joute, le 26 et 27 mai, en partenariat bien sûr avec la ville de Saint-Laurent-Blangy. Et ça va être un week-end qui va regrouper environ, qui va faire déplacer entre 12 et 15 clubs de France. Et nous allons organiser un défilé dans les rues de Saint-Laurent-Blangy et nous allons pratiquer 4 méthodes différentes de joute. Où peut-on vous retrouver ? Vous allez tout simplement sur le moteur de recherche Google, vous tapez Jouteur d'Arras et nous avons un site officiel. Philippe Mercier, vous représentez les Jouteurs d'Arras, cette association. Merci. Merci beaucoup.